Le FBI a bien enquêté sur d'éventuels liens entre Donald Trump et la Russie. Ces soupçons ont vu le jour dès la campagne présidentielle de 2016. Mais le FBI n'a pas ouvert d'enquête jusqu'au limogeage en 2017 par Trump de James Comey, l'ancien directeur de la police fédérale, comme le révèle le New York Times. L'investigation porte un volet de contre-espionnage pour déterminer si Trump avait consciemment ou inconsciemment travaillé pour Moscou, et un volet criminel portant sur le limogeage de Comey. Des révélations qui ont déchaîné le président américain. Sur Twitter, il s'en est pris aux anciens dirigeants du FBI qu'il qualifie de corrompus, et plus personnellement à Comey, qu'il désigne comme une vraie ordure. Selon le New York Times, l'enquête du FBI a rapidement été fusionnée avec celle ouverte par le procureur spécial Robert Mueller sur des soupçons de collusion entre Moscou et l'équipe de campagne du candidat républicain. Plusieurs inculpations et condamnations ont débouché grâce à cette enquête russe. Donald Trump nie catégoriquement les accusations et critique régulièrement le travail du procureur Robert Mueller.